Bonjour, bienvenue à l'Église de la Moisson. J'espère que vous allez bien. Donc, je vous invite à vous lever et à louer avec nous ce matin, peu importe d'où vous vous trouvez. Alléluia. 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 Mon cœur veut chanter. 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 Mon amour m'étonne sur immuable comme une montagne. Ne change pas. Ton amour m'élève. C'est un doux mystère. Quand tout m'environne, ton amour est là. Alléluia. 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 Mon cœur veut chanter. 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 Mon amour m'étonne. En moi il résonne. Au fond de mon être, cette joie grandit. Que mes yeux te voient, tellement tes rayonnes, le chant de louange soudain m'envahit. Alléluia, 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 mon cœur veut chanter. Alléluia, 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 mon cœur veut chanter. Alléluia. Alléluia, Alléluia, mon cœur veut chanter. Alléluia, 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 mon cœur veut chanter. Ton amour m'étonne, surimmuable, comme une montagne, ne change pas. Ton amour m'élève, c'est un doux mystère. Quand tout m'environne, ton amour est là. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Mon cœur veut chanter. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Mon cœur veut chanter. Mon amour m'étonne, en moi il résonne, au fond de mon être, cette joie grandit. Lorsque mes yeux te voient, tes bontés rayonnent, un chant de louange soudain m'envahit. Alléluia, 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 mon cœur veut chanter. Alléluia. Alléluia, Alléluia, mon cœur veut chanter. Alléluia, 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 mon cœur veut chanter. Alléluia, 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 mon cœur veut chanter. Alléluia, Alléluia. Alléluia, mon cœur veut chanter. Alléluia, 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 mon cœur veut chanter. Alléluia. Seigneur, merci pour ta grâce incomparable. Thank you.
laisse le pouvoir du mal de l'âme qui aime d'un amour si puissant, si fort. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Il secoue la terre par un saint tonnerre qui nous émerveille par tant de mystères. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que ce soit mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Ce que tu as fait, qui ramène la paix dans la confusion, change les eaux folles en fils et en fille. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois, qui règne sur les peuples dans la vérité. Comme le soleil de tout son éclat, c'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, il est digne, 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 quelle grâce incomparable. Quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Alléluia. Merci pour ce que tu as fait, Seigneur.
c'est toi qui règnes sur nos vies, Seigneur Jésus. Saint le Seigneur, digne est l'agneau, assis sur le trône, qu'un chant dans nos cœurs célèbre à nouveau sa grâce et sa grandeur. Saint de gloire et de feu, et le Seigneur notre Dieu, qui règne de toute éternité. Tout l'univers avec moi, acclame au roi des rois. Oui, tu es tout pour moi, et je veux t'adorer. Dieu qui règne.
veux t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer, je veux t'adorer, t'adorer, je veux t'adorer. Seigneur Jésus, chantons, je veux t'adorer, je veux t'adorer. Bonjour et bienvenue à l'Église de la Moisson ce matin. J'espère que vous allez bien. On va prendre juste un moment de prière avant de rentrer dans le message pour ce matin. Seigneur, merci pour tout ton peuple qui sont réunis ensemble ce matin. Merci pour ton Esprit Saint qui nous conduit jour après jour. Seigneur, je prie que tu puisses agir parmi nous ce matin. Seigneur, je prie s'il y a des gens qui sont à l'écoute, qui ont des conflits dans leur cœur, dans leur vie, qu'à travers de ce parole, à travers de ce message, à travers de cette réunion ce matin, qu'ils peuvent ressentir ton Saint-Esprit, que tu peux, Seigneur, agir dans les cœurs, dans les vies de tous ceux et celles qui sont en ce moment avec nous, dans le nom précieux, dans le nom majestueux de Jésus, on prie. Amen. On est heureux que vous soyez avec nous. Sortez vos Bibles. Allez avec moi en Genèse, chapitre 3. Nous allons continuer sur notre série, sur le livre de Genèse. J'ai quelques annonces rapidement avant qu'on rentre, mais vous pouvez vous préparer. Genèse, chapitre 3. Pour tous les annonces de tout ce qui se passe en ce moment, les réunions de Zoom avec Pasteur Bruno, les réunions, les cours bibliques de ISOM, vous inscrire au baptême d'eau. Vous avez accès à tout ça sur notre site www.eglisedelamoisson.ca et aussi vous pouvez downloader l'application de l'Église où ce que vous avez aussi accès à vous inscrire à tout ce qui se passe en ce moment. Et vous pouvez également nous appeler ou nous écrire. Si vous avez des requêtes de prière, vous pouvez nous les envoyer également par l'entremise de notre site. On est content et heureux de vous voir virtuellement. Aussi, durant la réunion, partagez, likez, comme ça va, on peut rejoindre le plus de monde possible avec le message de l'Évangile. Et aussi, deux dernières annonces pour l'école de dimanche. Si vous avez des enfants entre les âges de 5 ou 4 ans jusqu'à l'âge de 12 ans, il y a des Zooms qui se font durant la réunion en anglais. Il y a des Zooms qui se font en français. Et durant la réunion en ce moment en français, il y a une Zoom qui se fait en anglais pour l'école de dimanche. Fait que si vous êtes parent d'enfants et vous n'avez pas reçu le lien de Zoom, laissez-nous savoir. Vous pouvez nous écrire ou par notre site. Laissez-nous savoir, on va vous envoyer les liens Zoom à toutes les semaines. Également, pour les reçus d'impôts, tout a été envoyé cette semaine, fait que vous devriez les recevoir bientôt. Si vous avez donné directement à l'Église ou par PayPal, votre reçu d'impôt va venir par l'entremise de l'Église. Si vous avez donné à travers de Canada Helps, vous allez recevoir des reçus d'impôt qui vont venir par Canada Helps. Je pense que c'est tout pour les annonces. Vas-y avec moi, Genèse chapitre 3, verset 1. On va lire jusqu'au verset 8 ensemble. On continue ce matin sur notre série, sur le livre de Genèse. On va une chapitre à la fois. Je ne dis pas qu'on va faire chaque chapitre dans le livre de Genèse, mais on va faire un survol du livre. Mais là, on est rendu au chapitre 3. La parole de Dieu déclare, « Le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il vraiment dit? » Si vous avez la capacité de souligner dans vos Bibles aujourd'hui, prenons un instant pour le faire. « Dieu a-t-il vraiment dit? Vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin. » Et la femme répondit au serpent, « Nous mangerons du fruit des arbres du jardin. Cependant, en ce qui concerne le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous ne mangerez pas et vous ne toucherez pas, sinon vous mourrez. » Et le serpent dit alors à la femme, «
vous ne mourrez absolument pas, mais Dieu sait que le jour que vous en mangez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. Vous connaîtrez le bien et le mal. Verset 6, et la femme, vu que l'arbre était porteur de fruits bons à manger, agréables à regarder et précieux pour ouvrir l'intelligence, elle a pris de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle et il en mangea. Verset 7, leurs yeux à tous les deux s'ouvriront et ils prirent conscience qu'ils étaient nus. Ils attachèrent des feuilles de figuier ensemble en s'enfuirant dans les ceintures. Verset 8, quand il entendait la voix de l'Éternel Dieu en train de parcourir le jardin vers le soir, l'homme et sa femme se cachèrent loin de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Seigneur, merci pour ta parole. Je prie que tu puisses oindre ma bouche, oindre mes paroles ce matin, que je puisse déclarer ce que tu as pour tes enfants. Seigneur, qu'on peut recevoir quelque chose de ta part. Seigneur, tu es notre roi, notre sauveur, notre Seigneur. Et je prie que tu puisses agir dans chaque famille, agir dans chaque maison, agir dans les cœurs de tous ceux et celles qui sont à l'écoute ce matin. Seigneur, tu es celui qui nous délivre, tu es celui qui nous change, celui qui nous transforme. Seigneur, on a besoin de toi plus que jamais auparavant. Dans le nom précieux, dans le nom glorieux de Jésus, on prie. Amen. On a commencé, voilà, 3 semaines, une série sur le livre de Genèse. Une des choses qui est importante à souligner lorsqu'on lit Genèse chapitre 1 et Genèse chapitre 2, et on va à la fin, après on lit les 2 derniers chapitres de la Bible, Apocalypse chapitre 21 et Apocalypse chapitre 22. C'est une parallèle entre Genèse 1 et 2. Ce que l'homme a perdu en Genèse chapitre 3, le chapitre qu'on regarde ensemble, à cause du péché, il va revoir, Dieu va rétablir en Apocalypse chapitre 21-22, Dieu va revenir établir un nouvel ciel, une nouvelle terre, et tout le jardin, toute cette espèce de paradis qui a été perdu en Genèse chapitre 3 va être regagné. Fait qu'il y a une parallèle entre Genèse chapitre 1 et Genèse chapitre 2 et Apocalypse chapitre 21 et 22, les 2 derniers chapitres de vos Bibles. Et entre ces 4 chapitres, entre Genèse chapitre 2 et Apocalypse chapitre 21, il y a l'histoire de la rédemption. Il y a l'histoire où ce que Dieu, passionnément, à travers le cours de l'histoire, prophétiquement dans l'Ancien Testament, physiquement dans le Nouveau Testament avec Jésus et spirituellement à travers du Saint-Esprit après l'ascension de Jésus, Dieu est en train de racheter, de restaurer et de ramener l'humanité à lui-même en nous donnant cette possibilité de revenir dans une style de vie, de revenir dans une vie qui était et qu'il est dans l'image de Dieu, que Dieu veut des bonnes choses pour ses enfants, Dieu veut des bonnes choses pour nous et chacun d'entre nous. Et si vous êtes en Christ, si vous êtes en Jésus-Christ, vous avez déjà tout pleinement en lui. La parole de Dieu déclare que Jésus est la plénitude de la puissance de la divinité de Dieu est en Christ. Et si nous, on est en Christ, nous avons pleinement en lui. Fait que si vous avez des combats dans votre vie aujourd'hui, je vais commencer avec des bonnes paroles, paroles d'encouragement que vous avez pleinement en lui. Vous avez la capacité de vivre dans la victoire. Vous avez la capacité de vivre dans un état rempli de paix, rempli de joie, rempli de bénédiction. Satan, c'est un menteur. S'ils viennent avec des mensonges pour vous séduire loin de Dieu, on va en parler ce matin de les mensonges de Satan. On va venir découvrir ensemble comment Satan agit dans la parole de Dieu pour découvrir les stratégies de Satan et pour nous permettre à nous de vivre victorieusement, de vivre un style de vie où ce qu'on prenne l'autorité que nous avons comme croyants et on marche dans la plénitude de ce que Dieu a pour chacun d'entre nous. Genèse chapitre 3, on a lu il y a quelques instants cette conversation entre Satan et Ève. Et souvent, lorsqu'on parle des moments dans la parole de Dieu où ce que Satan se présente pour attaquer quelqu'un ou pour tenter quelqu'un, souvent les deux moments, lorsqu'on pense à ça, il y a deux moments qui sont
qui viennent souvent à l'esprit. La première, c'est celui qu'on vient de lire en Genèse chapitre 3. Et la deuxième, souvent, qui vient tout de suite à l'esprit, c'est lorsque Jésus, il est en train de venir contre Satan, qui vient contre Jésus dans le désert, dans le Nouveau Testament. Mais dans la parole de Dieu, il y a trois autres moments, trois autres personnages bibliques, à part Ève et Jésus, qui ont un conflit, qui ont un combat avec Satan lui-même, et on va en parler dans les deux prochaines semaines de chacun de ces combats. Aujourd'hui, on va en parler de deux, Ève qu'on vient de lire et Job vers la fin du message. Ces deux combats que Satan vient dans leur vie. On va regarder ensemble les stratégies que Satan va utiliser dans le contre Ève et contre Job. On va dévoiler les stratégies ensemble selon ce que la parole de Dieu nous dit et je prie ma prière pour ce message, c'est que Dieu te remplit de son Saint-Esprit, qui te remplit avec une sagesse, pas seulement pour dévoiler ce que Satan essaie de faire pour détruire l'Église ou détruire les vies des gens, mais aussi de te donner la sagesse, la force de surmonter et de survaincre tout ce que l'ennemi pourrait essayer de faire contre vous. Et on regarde la première histoire ici avec Ève. Je t'ai demandé tantôt de souligner dans vos Bibles cette première portion, ce que ça dit. Dieu a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez pas d'aucun fruit dans le jardin? Fait que Satan, il vient à Ève. Et sa première, le but ici de Satan, c'est d'essayer de jouer dans les pensées de Ève, de la faire douter de l'intégrité de la parole de Dieu, de la faire douter de le désir de Dieu pour elle, de la faire questionner la parole de Dieu. Et d'ailleurs, c'est toujours la même chose que Satan fait aussi avec nous dans notre jour. Et Ève qui va manger de cette arbre après la tentation de Satan, manger de ce fruit et après ça, elle va en donner à Adam. Et Adam, lui, il va en manger. Et souvent, quand j'étais plus jeune, avant d'être marié, je moquais des fois de Adam. On riait d'Adam en disant, s'il n'avait pas mangé du fruit, s'il n'avait pas écouté son épouse et s'il n'avait pas mangé ce qu'elle lui a donné à manger, on ne serait peut-être pas tous dans la situation que nous sommes actuels dans un monde où ce que le péché, la maladie et tout ce qui a pris place après que Adam et Ève ont chuté. Mais après que je me suis marié, j'ai réalisé que Adam a fait ce que toute Marie fera à sa place. Quand tu n'es pas marié, quand j'étais tout seul à la maison, je vivais avec mes parents, si ma mère me faisait un repas et si je n'aimais pas ce que ma mère avait fait, je la disais tout simplement. De tout mon cœur, je disais, maman, ça, c'est de la cochonnerie, c'est pas bon. Et là, ma mère, des fois, t'es fâchée, mais ta mère va toujours rester ta mère, elle va t'aimer, elle va prendre soin de toi. Mais quand je me suis marié, j'ai réalisé rapidement que si tu veux éviter le divorce, tu manges ce que ton épouse te donne à manger, tu ne poses pas de questions, tu ne dis aucun commentaire, tu ne dis pas que ta mère a fait ce genre de repas mieux que toi. Il n'y a aucun de ces commentaires-là qui est supposé d'être déclaré. Sinon, ton épouse n'agira pas comme ta mère va agir et tu risques ta vie. Tu mets ta vie en péril si tu refuses de manger. D'ailleurs, je veux juste préciser, si mon épouse qui écoute en ce moment est une des meilleures cuisinières, elle cuisine d'une façon extravagante, extraordinaire. Il n'y a pas de question de ma part à ce niveau-là. Mais tu réalises que lorsque tu es marié, tu dois manger ce que ton épouse met devant toi. Et Adam était un homme que même, il y avait cette sagesse que si Ève me dit « tu manges ça », tu la manges. La tarte qu'elle a faite, tu ne poses pas de questions. Où tu l'as pris, quel magasin, quelle arme tu l'as pris, tu la manges. Et Adam a fait que tout bon homme marié fera à sa place. Arrêtez de critiquer Adam, on aurait tous fait la même chose. Chérie, c'est super bon, c'est incroyable cette tarte aux pommes que tu as fait. C'est vraiment la meilleure tarte aux pommes au monde. Même si ça lui a coûté le jardin, ça valait la peine de juste manger ce que ta femme met devant toi. Fait que si vous rappelez de rien d'autre ce matin, ce que vous allez manger cet après-midi, mange-la et parle pas. Fais juste manger ce que vous avez devant vous ce matin. Deuxième, et tous les femmes disent « Amen ». Deuxième Corinthiens, chapitre 11, vas-y avec moi. Je pense que c'était un peu trop passionné, hein, je pense, mon histoire sur la nourriture. Deuxième Corinthiens, chapitre 11, verset 3. « Cependant, de même
que le serpent a trompé Ève par sa ruse. J'ai peur que vos pensées ne se corrompent et qu'ils ne se détournent de la simplicité et de la pureté vis-à-vis de Christ. Fait que nous avons cette déclaration de l'apôtre Paul qui fait référence à Ève et qui dit de la même façon que Satan a essayé de séduire Ève dans ses pensées pour la détourner loin de Dieu. Il dit, j'ai une crainte, j'ai un peur que Satan, de la même manière qu'a fait Ève, essaie de vous faire détourner de la simplicité qui est en Jésus-Christ. Fait que nous avons un message de victoire, nous avons un message que Jésus, sur la croix, a tout payé pour nous. Jésus, lorsqu'il a donné sa vie pour nous à la croix, la parole de Dieu déclare que nous avons été rachetés, restaurer et racheter, et tous les principalités, tout ce que l'adversaire voulait faire contre nous, Jésus les a cloués à la croix en faisant un spectacle, un public spectacle. Il a fait un spectacle sur la croix en triomphant sur tous les aspects et toutes les puissances de l'ennemi qui viendra contre nous. Et Paul qui dit, par exemple, Satan essaie de la même manière qu'il avait fait avec Ève de vous séduire loin de ce message, de cette simplicité que vous êtes en Christ, que vous avez la victoire, vous avez la foi en Christ et vous avez la vie éternelle, vous avez tout ce que vous avez besoin en Jésus-Christ, non pas dans une religion, non pas dans un... dans des actes religieux, mais dans une simplicité lorsqu'on met notre foi en Jésus-Christ. Ce n'est pas la religion qui te sauve, ce n'est pas de faire des choses. Il y a des gens qui pensent qu'en frottant des espèces de billes, ça pourrait les aider. Il y a d'autres qui vont voyager dans les montagnes de Tibet pour devenir un aspect, pour rentrer dans un temps, dans un monastère, pour être seul et de respirer, de ne pas parler, de fermer tout ce qui est autour d'eux, en pensant qu'en ayant des actions spirituelles, religieuses, ils vont être capables de trouver Dieu. Mais la réalité, c'est que Dieu nous a révélé sa grâce à travers de la personne de Jésus qui est venu mourir pour nous à la croix. Et lorsque tu mets ta foi en lui, cette simplicité de la foi en Christ te donne accès à la plénitude de ce que Dieu a pour toi. Ce n'est pas l'Église, ce n'est pas un prédicateur, ce n'est pas des actions religieuses, ce n'est pas une dénomination. C'est le message simplement de croire que Jésus est venu, qui est mort, qui est ressuscité d'entre les morts. Et à travers de ce message-là, vous allez avoir la victoire dans tous les aspects de votre vie. Fait que Paul qui dit, « Soyez pas séduits dans vos pensées, comme Ève était séduite de quitter les choses de Dieu et de désobéir à Dieu. » Fait qu'une des premières buts de l'ennemi, une des premières stratégies de Satan, c'est d'affecter vos pensées. Et la manière qu'il le fait... La manière qu'il avait fait à Adam et Ève, en posant des questions, en disant, « Dieu a-t-il vraiment dit? » Fait qu'il va faire la même chose avec nous, il va questionner la parole de Dieu. Il va nous faire questionner, nous faire douter. Est-ce que Dieu a réellement dit que tu peux avoir la paix? Est-ce que Dieu a réellement dit que tu peux vivre dans la joie? Est-ce que Dieu a réellement dit que tu peux avoir la guérison? Est-ce que Dieu a réellement dit? Et d'ailleurs, il y a même des prédicateurs qui vont prêcher, qui vont dire que la guérison n'est pas pour aujourd'hui, les dons de l'esprit ne sont pas pour aujourd'hui. Est-ce que Dieu a réellement dit que vous avez celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde? Et d'ailleurs, le même genre de questionnement de nous faire douter de la réalité de ce que Dieu a dit et de manipuler ce que Dieu a dit. Parce que en plus que Satan va questionner la parole de Dieu, il va manipuler la parole de Dieu pour dire d'autres choses. Fait qu'il va dire à Ève, est-ce que Dieu a réellement dit que vous ne pouvez pas manger de aucun arbre dans le jardin? Fait qu'il y a cette manipulation de la parole de Dieu. Et Ève va croire ce que Satan va dire, va désobéir à ce que Dieu a dit. Et combien de chrétiens, combien d'hommes et de femmes de Dieu qui ont une fois dans leur vie, étaient dans le ministère, étaient en train de vivre pour l'avancement du royaume de Dieu, mais à cause d'événements dans leur vie, ont vécu des choses qui les ont mis complètement à terre, complètement distraits, complètement éloignés de les choses de Dieu. Il y avait un homme dans la parole de Dieu qui s'appelle Dumas.
Dumas, c'était un homme qui marchait, qui vivait et qui faisait du ministère côte à côte avec l'apôtre Paul. Il a vu des églises implantées, il a vu des miracles, il a vu des guérisons, il a vu des délivrances. Il y avait un moment donné que Paul est en train de prêcher dans une réunion. Il y avait un jeune homme qui est tombé endormi et sur le deuxième étage, il a tombé à terre dans la fenêtre et il est mort à terre. Et la Bible dit que Paul a sorti, il est allé prier pour cet homme-là. L'homme, ce jeune homme qui était mort, était ressuscité d'entre les morts. Au milieu d'une réunion, ils sont revenus en dedans, dans la salle, et Paul a continué à prêcher et enseigner la parole de Dieu. Fait que cet homme-là, qui marchait avec Paul, aurait vu ce genre de situation, ce genre de miracle qui était... qui faisait partie du ministère de l'apôtre Paul. Et il y a un moment où ce que Paul est en train de saluer une des églises, il va dire, Dunamis, il n'est plus avec moi, Dumas, il n'est plus avec moi parce que l'amour du siècle présent l'a attiré et a quitté les choses de Dieu. Fait qu'on a cet homme-là qui marchait, qui vivait dans le ministère avec Paul, mais qui a arrêté de suivre les choses de Dieu. Fait que Satan essaie de vous séduire, de me séduire loin de Dieu, de nous faire douter, de nous faire questionner la parole de Dieu, et il joue dans les pensées. Dieu, es-tu vraiment capable de te guérir? Dieu, es-tu vraiment capable de te sauver? Dieu, es-tu vraiment capable de te délivrer? Et la réponse, c'est oui, Dieu est capable. Dieu est capable d'agir dans votre vie. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne changera jamais. Et c'est quoi notre façon de surmonter cette attaque de l'ennemi qui arrive dans nos pensées? Vous êtes avec moi en Josué, chapitre 1. Josué, chapitre 1, verset 8, la parole de Dieu déclare: que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit pour agir avec fidélité conformément à tout ce qu'il est écrit. Donc la parole de Dieu, médite la parole de Dieu jour et nuit et fais ce qui est écrit à faire. Obéis à la parole, car c'est alors que tu aurais du succès dans tes entreprises et c'est alors que tu réussiras. Dieu qui nous donne ce promesse, si tu veux réussir, si tu veux avoir du succès en moi, médite sur la parole de Dieu et obéir et vivre d'une façon où ce que tu es en train d'obéir et de te soumettre à la directive de Dieu, au désir de Dieu pour ta vie. Vas-y avec moi, on ne lira pas le texte, mais en Job chapitre 2, juste pour une question de temps, parce que je ne veux pas que ça soit trop long, ça va être un court message, et on va prendre un moment de prière. Mais Job chapitre 2, et Job 1 et 2, vous allez lire l'histoire où ce que Satan va venir pour attaquer Job. Et dans cette histoire, vous allez lire que Satan se présente devant Dieu, et c'est Dieu qui va faire référence de son serviteur Job. Il va dire à Satan: « T'as-tu considéré mon serviteur Job? Comment qu'il est un homme intègre, un homme qui vit selon ma parole, un homme qui vit juste? » Dieu va parler de bien en bien de Job. Et la réponse de Satan ou l'accusation contre Job va être: « Ouais, mais Dieu, la raison pourquoi que Job vit de telle manière, c'est parce que tu le protèges. C'est parce que tu as mis un aide de protection autour de lui. Et si tu enlèves cette aide de protection et que tu touches sa vie, ou ce que la bénédiction qu'il a, la prospérité qu'il a, la famille qu'il a, même son santé physique, si tu enlèves cette protection, tu vas voir qu'il va te maudire, qu'il va se détourner. » Avec Satan, avec Ève, il dit: « Je vais la manipuler dans ses pensées. » Mais avec Job, Satan vient comme un destructeur pour attaquer son corps physique, pour attaquer sa prospérité, pour attaquer sa famille. Et si vous lisez l'histoire de Job, vous allez voir qu'une chose après l'autre, Satan commence à dévorer, commence à tuer ses enfants. Il attaque et tous les animaux, tous les possessions qu'il y avait, et même le corps physique de Job tombe malade, une maladie qui arrive. Et c'était... Même Job reniait le jour qui était né.
mais qui n'a jamais renié Dieu. En fait, Job, au lieu de renier Dieu, la parole de Dieu dit que Job a couru vers Dieu, a couru pour avoir des réponses de la part de Dieu, pour avoir un salut, parce qu'il savait le seul salut, la seule délivrance que je pourrais avoir pour ma situation, c'est de trouver Dieu. Et d'ailleurs, Dieu, à la fin de l'histoire de Job, va restaurer Job dans tout ce qu'il a perdu. Mais 1 Pierre, chapitre 5, verset 8, de la même manière que Job a été attaqué par l'ennemi. 1 Pierre, chapitre 5, verset 8, nous dit, « Soyez sobres et restez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui à dévorer. » Fait que nous avons un adversaire. De la même façon que ce que Job avait un adversaire qui est venu pour le détruire, dérober, et finalement, il voulait, si Dieu l'aurait permis, il aurait tué Job, mais Dieu avait protégé sa vie. Nous avons le même adversaire qui vient contre nous pour attaquer votre vie, attaquer votre famille et même votre corps physique. Et une des raisons pourquoi que Satan veut dévorer, veut attaquer votre corps, c'est que la parole de Dieu déclare que votre corps est le temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 19, qui dit, « Ne le savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, qui est en vous, et que vous avez reçu de Dieu, vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » La parole de Dieu nous donne cette déclaration. Dit, Satan attaque ton corps, il attaque ta vie parce que tu as le Saint-Esprit en toi. Tu es un temple de Dieu et il haït Dieu, il ne peut pas attaquer Dieu. Fait qu'il attaque les enfants de Dieu. 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 7, qui nous dit, « Nous portons ce trésor dans des vases de terre. » Nous portons ce trésor dans des vases de terre. Nous avons le trésor du Saint-Esprit, la paix, la joie et la présence de Dieu qui habite en nous. Et Satan attaque parfois votre corps pour vous décourager, pour vous séduire loin de Dieu, pour que vous soyez frustrés contre Dieu. Si Dieu m'aime, pourquoi est-ce qu'il me permet de vivre cette maladie ou pourquoi est-ce que j'ai telle souffrance dans ma vie? Si Dieu m'aime réellement, et d'ailleurs, Satan va utiliser la souffrance pour essayer de te faire questionner l'amour de Dieu, questionner la puissance de Dieu, questionner l'intégrité de Dieu. Mais moi, je suis venu ici pour te donner ce parole d'encouragement que peu importe ce que Satan essaie de faire contre toi, on a un Jésus, on a un Sauveur qui est venu guérir nos maladies, délivrer de tous les oppressions de l'ennemi et de briser tous les chaînes qui peuvent être contre nous. Nous avons la victoire en Jésus-Christ dans cette simplicité. Actes chapitre 10, verset 38 qui nous dit, « Vous savez comment Dieu a déversé une onction du Saint-Esprit et de puissance sur Jésus de Nazareth, qu'il allait de lieu en lieu en faisant le... » Tapez-le dans l'écran si vous avez la même traduction. La Bible dit que Jésus allait de lieu en lieu en faisant le bien. Il ne faisait pas le mal, c'était pas qu'il y avait des gens qui étaient malades et Jésus qui arrive et qu'il va empirer leur maladie parce que Dieu veut qu'ils apprennent quelque chose plus profond. Il y a un apprentissage dans la profondeur de la souffrance. Non, non, non. La Bible dit que Jésus va de lieu en lieu en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous la domination du diable. Ça veut dire que Jésus reconnaissait que ceux qui vivaient des situations, des attaques dans leur corps, maladies, dépressions, peu importe, dans les pensées, dans le corps, ils savaient que ce ne venait pas de Dieu. Car si ça venait de Dieu, si la maladie venait de Dieu, si la souffrance qu'ils vivaient venait de Dieu, mais Jésus est en train de tout effacer et tout détruire l'œuvre de Dieu. Parce que la Bible dit que Jésus faisait du bien et il guérissait ceux qui étaient malades. Fait que si ceux qui étaient malades parce que Dieu désirait de les apprendre quelque chose, mais Jésus n'avait pas reçu le même mot, est en train de faire contraire à ce que Dieu voulait faire. La Bible dit que Jésus faisait du bien,
guérissait tous ceux qui étaient malades. Et la Bible dit qu'il précise que ceux qui étaient malades, pas qui étaient possédés, mais qui étaient sous l'oppression de l'ennemi, en voulant dire toute maladie, toute souffrance, ce n'est pas le plan et le cœur de Dieu pour votre vie. Dieu désire de faire des bonnes choses dans votre vie. Ça, c'est notre Sauveur. Ça, c'est notre Jésus. Ça, c'est le désir et le cœur de Dieu pour chacun de ses enfants. De la même manière que lorsque Paul avait une souffrance, Paul avait une épine dans son chair, il y avait une souffrance qui vivait. Et il prie à Dieu, et Dieu va donner cette réponse à Paul. « Ma grâce est suffisante et ma puissance est révélée dans ta faiblesse. » Ça, c'est notre Dieu, qu'il est grand et il est puissant. Comment vivre la victoire? Comment avoir la victoire lorsque vous vivez dans un moment de souffrance dans votre vie? Premièrement, vas-y avec moi en Jacques, chapitre 5, verset 7. Jacques, chapitre 5, verset 7, la parole de Dieu déclare, « Soyez donc patients, frères et sœurs, jusqu'au retour du Seigneur. Voyez, le cultivateur, il attend le précieux fruit de la terre en faisant preuve de patience envers lui jusqu'à ce qu'il a reçu les premières et les dernières pluies. Vous aussi, soyez patients, affirmez votre cœur, car le retour du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères et sœurs, afin de ne pas être jugés. Voici que le juge se tient à la porte. » Verset 10. « Mes frères et sœurs, prenez pour modèle de patience dans la souffrance les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Nous disons heureux ceux qui persévèrent. Vous avez entendu parler de la persévérance de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui a accordée, car le Seigneur est plein de tendresse et de compassion. » Okay, on parle ici que la première clé pour surmonter la stratégie de Satan lorsqu'il vient contre toi, c'est la patience. Et je sais que la patience, c'est quelque chose qui manque énormément dans notre génération de micro-ondes, de rapidité, d'Internet ultra-rapide. À toutes les années, il y a des Internets de plus en plus rapides. Ce n'est pas assez rapide. On a besoin plus de vitesse, de haute vitesse, super haute vitesse, extrême super haute vitesse, au-delà du haute vitesse. Si tu pensais que c'était du haute vitesse maintenant, le haute vitesse est comme du vitesse lente comparé à cette immense, extravagant vitesse d'Internet 5G, 6G, 7G, 1000G. Ça va être tellement rapide que l'Internet va aller plus rapide que toi. Elle va déjà faire le search sur Google que tu pensais d'aller faire avant que tu pensais de le faire. Google va l'avoir déjà fait. C'est ça, on parle de rapidité. On est une génération qui ne veut pas attendre. Quand l'Internet a commencé, quand j'étais plus jeune, avant de même rentrer sur l'Internet, il fallait appeler. Il y avait un... Je ne sais pas si vous êtes assez vieux ou vieille pour s'en rappeler de ces bruits de l'Internet qui se connecte. Et là, tu te connectes finalement et tu ouvres tes courriels. Et si un méchant rempli de démons avait osé de t'envoyer des photos par email, ça prenait une heure et demie avant que le email puisse rentrer, que tout était paralysé à cause du photo qui était trop lourd. Mais là, maintenant, on veut que ce soit rapide, plus rapide, 3 fois plus rapide, 10 fois plus rapide. On veut que le repas soit fait. Hey, on a avec nos voitures, on passe dans le drive-thru et on place une commande. 15 secondes plus tard, ils nous donnent la commande dans un sac. C'était long. Voyons donc, c'était long. Pensez-y, il y avait un temps que les êtres humains, avant de manger, il fallait qu'ils aient tué l'animal. Il fallait qu'il trouve l'animal, il fallait qu'il tue, il fallait qu'il coupe, il fallait qu'il mette. C'était des journées de travail pour manger. Mais nous, on veut que ça soit instantané. Et un des secrets pour surmonter l'adversaire, c'est la patience. Et de savoir que la parole de Dieu est oui et amen, que la vérité de la parole de Dieu va s'accomplir dans ma vie et que ça se passe aujourd'hui ou demain ou après-demain, moi j'ai la foi que ce que Dieu a dit va s'accomplir et laisse pas
l'ennemi te séduire loin de Dieu dans les moments d'attente. Dans les moments où ce que Dieu te fait attendre, comme Abraham, il avait entendu 25 ans, et dans les 25 ans de salle d'attente, la Bible dit qu'il n'avait pas perdu sa foi, mais qu'il a resté ferme dans sa foi, dans les promesses de Dieu, que Dieu était capable de répondre et de faire ce que Dieu avait promis. Je vous encourage, si vous vivez un combat dans votre vie, peut-être vous avez une situation que ça dure de plusieurs années. Restez fidèle et restez fermement planté sur les promesses de Dieu qui sont toujours oui et amen. D'ailleurs, le verset 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 20, qui dit, « En effet, pour toutes les promesses de Dieu, on se trouve en lui, c'est oui, et c'est donc aussi par lui, amen, à Dieu pour sa gloire. » En fait, toutes les promesses de Dieu sont oui et amen en lui. Nous avons ces promesses de la parole de Dieu, que Dieu nous donne la victoire. Et j'aimerais ça terminer avec en revenant en Genèse chapitre 3, en reprenant les quatre choses que Satan a dit à Ève. Et on va regarder ensemble, en terminant, les quatre mensonges de Satan. Les quatre mensonges de Satan. Le premier des mensonges que Satan avait donné à Ève, c'était « Est-ce que Dieu a réellement ou a vraiment dit? » Fait que le premier mensonge de Satan, Satan veut questionner la parole de Dieu. Il veut questionner la vérité de la parole de Dieu. Il fait la même chose pour chacun d'entre nous. Il nous fait questionner les promesses de Dieu, la validité de la parole de Dieu, la réalité de la parole de Dieu dans nos vies. Est-ce que Dieu a réellement dit? Le deuxième mensonge, la deuxième stratégie, c'est que Satan manipule la parole de Dieu. Oui, est-ce que Dieu a réellement dit que tu ne pouvais pas manger de tous les arbres? Non. D'ailleurs, Ève va connaître la parole de Dieu malgré qu'elle va se faire manipuler pareil. Il y a des gens qui connaissent, vous connaissez la parole de Dieu, mais vous permettez quand même à l'ennemi de vous séduire. Ève a repris Satan, elle dit non, non, non. Dieu ne nous a pas dit qu'on ne pouvait pas manger de tous les arbres, seulement celui qui est au milieu du jardin. Fait qu'elle connaissait précisément ce que Dieu lui avait dit. Et Satan va revenir, après avoir essayé de manipuler la parole de Dieu, il va dire, « Ah non, non, vous ne mourrez pas. » Après que Ève va dire, « Si on mange de l'arbre qui est au milieu du jardin, on va mourir », Satan le coupe sa parole immédiatement, dit, « Non, 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 vous n'allez pas mourir. » Et d'ailleurs, c'est le même mensonge que Satan projette encore aujourd'hui. C'est correct de désobéir à Dieu. C'est correct de ne pas faire ce que Dieu te demande de faire. Il n'y a pas de conséquences au péché. C'est très populaire maintenant dans beaucoup d'églises de prêcher un évangile sans conséquences, un évangile sans un enfer, une éternité où ce que tout le monde est sauvé. Même si tu n'as pas donné ta vie à Jésus, même si tu décides de suivre Allah, tu décides de suivre Bouddha, tu décides de suivre rien du tout, que tout le monde est sauvé. C'est une doctrine qui s'appelle « universalism », parce que tout le monde est sauvé. La réalité, c'est que la parole de Dieu nous donne cet évangile que Jésus a dit, que Paul a dit, que Pierre a dit, qu'il n'y a seulement un chemin. Et ce chemin est par Jésus-Christ. Il y a seulement une porte, et cette porte est Jésus-Christ. Et le salaire du péché, c'est la mort, et c'est une séparation entre nous et Dieu. Et d'ailleurs, la raison pour laquelle que Jésus est venu, le péché est quelque chose qui doit être jamais pris à la légère dans l'Église. On ne doit jamais devenir une Église avec une pensée que le péché n'a pas de conséquences. Qu'on peut vivre de la manière qu'on veut, et inquiète-toi pas, oui, Dieu, la parole de Dieu a dit qu'il va avoir des conséquences, mais Satan, qui dit le même mensonge qu'il avait dit à Ève, non, 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 tu ne vas pas mourir. Il n'y a pas de conséquences au péché. Il y a toujours une conséquence au péché. D'ailleurs, Jésus l'a pris tellement au sérieux que c'est la raison pour laquelle que Jésus est mort sur la croix. Jésus n'est pas mort sur la croix pour qu'on puisse avoir des belles réunions d'église.
Jésus n'est pas mort sur la croix, qu'on peut chanter des chants, taper nos mains, que moi je peux prêcher des belles messages. Ce n'est pas la raison pour laquelle il est venu. La raison pour laquelle que Jésus est mort, c'est pour nous racheter du péché. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort, que nous méritons tous la mort et la séparation entre nous et Dieu à cause du péché. Mais Jésus a été battu, il a été fouetté sur son dos, le pot sur son dos a été arraché, il a été cloué sur une croix, une couronne d'épines posée sur sa tête. Un soldat romain va lancer une lance dans son côté qui va pénétrer jusqu'à son cœur. Et Jésus qui est sur la croix en train de mourir à tous les fois, qui doit prendre une respiration, doit pousser sur ses pieds pour monter, pour prendre de l'air. Et à tous les fois qu'il montait pour prendre de l'air, son dos qui était déjà tout arraché à cause du fouettement va frotter contre cette bois. Jésus n'a pas payé un prix pour qu'on puisse chanter Kumbaya, avoir des lumières dans l'église, avoir un prédicateur qui nous fait rire ou qui nous fait pleurer. Jésus est mort à la croix pour nous racheter du péché, de nous racheter de les mains de l'adversaire, de briser les chaînes et de nous délivrer. Et il s'en fout si moi je suis un bon prédicateur, il s'en fout le type de chant. Souvent on pense que l'Église est rendue une espèce de show pour que les gens puissent avoir un beau moment dans la présence du Seigneur. Jésus est mort pour délivrer, pour sauver, pour transformer. Et d'ailleurs, ma responsabilité comme prédicateur, c'est pas de vous donner un petit message beau qui vous encourage pour votre semaine, c'est de prêcher l'Évangile. Et l'Évangile est un message qui offense. Le message de dire aux gens « Votre style de vie ne plaire pas à Dieu » est un message qui offense. Et le message de la croix est la puissance pour ceux qui sont sauvés. Mais ceux qui sont perdus, c'est une offense. Parce que ça confronte une vie. Ça confronte une idée de vie que moi, je veux vivre pour moi-même. Je veux faire ce que moi, je veux faire. Je veux agir comme moi, je veux agir. Et lorsque tu vis pour toi-même, tu prennes la décision de refuser la grâce de Dieu, l'amour de Dieu et le don de Dieu pour le salut. Dans quelques instants, si vous êtes loin de Dieu, je vais vous donner une opportunité de redonner ta vie à Jésus, de quitter ces choses-là. Et peut-être que vous avez des choses dans votre vie qui vous gardent enchaînés. Des péchés que ça fait des années que vous essayez de trouver la liberté. Mais il y a la liberté en Jésus-Christ. Il y a la victoire en lui. Il y a la paix en lui. Et le quatrième mensonge de Satan qui avait donné ou qui avait dit à Ève et à Adam, c'est que vous n'êtes pas complète, il vous manque quelque chose. Il dit à Ève, il dit, Dieu sait que le moment que tu manges de cette fruit, vos yeux vont être ouverts et vous allez être comme Dieu. Vous allez avoir la connaissance du bien et du mal. Et la Bible dit qu'après ça, Ève va regarder le fruit, elle va trouver que c'est bon, agréable, et elle va décider de manger. Elle va donner à son mari, ils vont tous les deux manger. Et ce mensonge encore que Satan projette, qu'il vous manque quelque chose, qu'en Dieu, vous n'êtes pas complète et que vous devriez trouver dans un endroit à l'extérieur de la présence de Dieu, à l'extérieur de la personne de Jésus-Christ. Vous allez vraiment trouver où vous allez être complet. Là, vous allez être bien. Mais la réalité, c'est que Adam et Ève étaient déjà créés dans l'image de Dieu. Ils étaient déjà créés dans la ressemblance de Dieu. Il n'y avait pas besoin de désobéir à Dieu pour être comme Dieu. Ils étaient déjà créés comme Dieu. Ils étaient déjà dans l'image. Ils étaient déjà dans la ressemblance. Et le mensonge de Satan, c'est que vous avez pleinement... La réalité de la Bible, c'est que vous avez pleinement en Christ. Vous êtes plein... tout ce que vous avez besoin est en lui. Et le mensonge de Satan, c'est non. Non, non, non. Vous n'êtes pas pleinement... Vous n'avez pas tout pleinement en Christ. Il vous manque quelque chose. Et lorsque vous allez vivre pour toi, lorsque vous allez faire des choses qui semblent être bien pour toi, mais que Dieu a dit de ne pas faire, c'est correct parce que Dieu est en train de cacher des choses de toi. Et vous allez vraiment avoir la bonne vie, une belle vie, lorsque vous allez vivre comme tu désires et non pas comme Dieu ordonne. Mais la réalité, c'est qu'il n'y a pas de vie de bonté, de paix, de joie. Réelle joie, réelle paix à l'extérieur d'une relation avec Dieu.
si vous ne me croyez pas, va parler avec quelqu'un que, lorsqu'ils étaient jeunes, ont commencé dans la drogue ou dans l'alcoolisme. Au début, ça semble être attirant et bien. Tous leurs amis sont jeunes et ils s'embarquent dans une vie de party, de drogue, d'alcool. Va voir ces jeunes-là à 40 ans, à 30 ans, à 35 ans. S'ils n'ont pas réussi à arrêter leur vie maintenant, combien qu'ils donneraient pour être libérés? Combien qu'ils donneraient? Parce que lorsque Satan vient avec une tentation, la tentation est toujours, c'est le fun, c'est beau. Tu vas voir, ta vie va être plus intéressante, va être plus. S'il n'y avait pas de plaisir dans le péché, personne ne le fera. Mais le problème avec le péché, c'est que lorsque tu embarques et lorsque tu commences, Satan ferme la porte en arrière de toi. Et là, finalement, tu réalises que tu es prisonnier, tu es enchaîné dans ce que tu pensais était le fun, ce que tu pensais était bien, ce que tu pensais qui te donnait quelque chose de plus dans ta vie. Combien de maris ont quitté leur femme pour une autre femme qui pensait que ce serait mieux pour eux? En réalité, ils laissent en arrière de eux une famille complètement détruite pour essayer de trouver quelque chose d'autre, quelque chose de mieux, un père, un joie de mieux. Et la réalité, c'est que vous avez tout pleinement en Christ. Dieu est le seul qui peut satisfaire chaque aspect de votre vie. Et si vous m'écoutez maintenant et peut-être vous sentez que vous êtes emprisonné par la drogue ou l'alcool ou des relations que vous savez ne sont pas selon le cœur de Dieu pour votre vie. J'ai une solution. Et la solution, ce n'est pas une église. La solution, ce n'est pas une dénomination. La solution, c'est une personne. Et cette personne, c'est Jésus. Et lorsque tu donnes ta vie à lui entièrement, la parole de Dieu déclare qu'il vienne, son Saint-Esprit vienne habiter en toi. Tu deviens le temple du Saint-Esprit. Il peut te délivrer. Et il peut te transformer comme personne ou n'importe quoi d'autre ne pourra jamais faire. Dieu peut faire seulement ce qu'il peut faire parce que tu as été créé par lui, pour lui, et il est le seul qui est capable de réparer votre vie, de changer votre vie. J'aimerais ça, en terminant, donner une opportunité. Peut-être vous étiez une fois enflammé pour Dieu. Peut-être qu'il y avait un moment donné dans votre vie que tu vivais, tu témoignais, et tu priais, tu lisais la parole et tu étais en feu pour les choses de Dieu. Mais avec le temps, l'ennemi t'a séduit, t'a convaincu que les promesses de Dieu n'étaient pas vraies. Peut-être que tu as vécu des situations qui t'ont découragé. Dieu n'a pas agi de la façon que tu pensais que Dieu allait agir. Et tranquillement, tu as quitté les choses de Dieu. Et Dieu touche ton cœur ce matin pour revenir à lui, de redonner ta vie à lui. Je vais te demander de prendre un moment de prier avec moi, de réouvrir ton cœur à Dieu, de lui permettre de revenir et d'agir dans votre vie. Prions cette prière avec moi. Seigneur Jésus, merci d'avoir donné ta vie pour moi à la croix. Viens me pardonner de tous mes péchés. Viens briser tous les chaînes qui me gardent prisonnier. Je veux vivre libre. Je veux vivre d'une manière victorieuse en toi. Remplis-moi de ton Saint-Esprit. Conduis-moi. Aide-moi que ta volonté soit faite dans ma vie. Dans le nom précieux de Jésus, je prie. Amen. Si tu as prié cette prière, je te souhaite le bienvenu. La parole de Dieu déclare que lorsque tu confesses de ta bouche que Jésus est mort, qu'il est ressuscité d'entre les morts et que tu crois dans ton cœur, tu deviens un enfant de Dieu. Bienvenue à la famille de Dieu. Continue à chercher Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, de toutes tes pensées. Et avant de terminer, on va rentrer dans une dernière chant d'adoration. J'aimerais ça prier pour vous qui sont à l'écoute. Peut-être que ça fait 30 ans, 20 ans, 15 ans que vous êtes dans l'Église, vous êtes chrétien, mais que vous êtes dans un moment peut-être de découragement. Peut-être l'ennemi qui attaque votre corps, l'ennemi qui attaque vos pensées, comme on a parlé ce matin. J'aimerais ça prier pour vous, pour que vous puissiez marcher dans la victoire. La parole de Dieu déclare, lorsque deux s'accordent, on demande quoi que ce soit dans le nom de Jésus, que Dieu va l'exaucer. La parole de Dieu déclare aussi que tout ce que nous allons lier sur la terre va être lié dans les cieux. Tout ce qu'on va délier dans les cieux va être délié sur la terre. Fait que nous avons cette capacité de prier et de voir Dieu agir dans nos vies, dans notre situation. J'aimerais ça prier pour vous avant qu'on termine. Seigneur, je prie pour tous ceux et celles qui sont à l'écoute. Seigneur, il y en a peut-être quelques-uns
qui vivent des combats dans leur vie, physiquement, mentalement, émotionnellement. Mais Seigneur, tu es plus grand que toutes les montagnes, tu es plus grand que toute situation, tu es plus grand que toutes les tempêtes qui peuvent arriver, qui peuvent attaquer nos vies. Seigneur, tu es plus puissant que la maladie, tu es plus puissant que le cancer, tu es plus puissant que n'importe quelle situation. Seigneur, je prie que tes enfants puissent marcher dans la plénitude de ce que tu as pour eux, qu'on peut vivre et qu'on peut expérimenter tout ce que tu as pour nous, Seigneur, parce que tu es notre roi, tu es notre sauveur, tu es notre Seigneur. Il n'y a personne comme toi. Merci, Seigneur, de donner force à votre Église, de donner un souffle, Seigneur, un nouvel souffle de ton onction et de ta présence et de ta puissance. Seigneur, dans le nom de Jésus, on prie que toute l'Église soit fortifiée. Amen et amen. Je vous aime beaucoup. Sois béni. On se revoit dimanche prochain, 9h15. Prenons quelques instants dans la présence, Seigneur, un dernier chant d'adoration. Je vous aime beaucoup. À dimanche prochain. Plus je te cherche, plus je te découvre. Plus je te découvre et plus je t'aime, plus je te cherche, plus je te
importe ce que vous vivez en ce moment, Dieu est là pour vous. Venez vous asseoir à ses pieds. Donnez-lui vos fardeaux. Alléluia, Seigneur. On a soif de toi. On a besoin de toi, Seigneur Jésus. Viens nous toucher. Viens nous transformer, Seigneur Jésus. On a besoin de ta paix, Seigneur Jésus. Alléluia, viens toucher nos vies, Seigneur. Alléluia, sois plus ta présence, sois plus toi, Seigneur. Oh, toi qui règne sur nos vies, Seigneur Jésus. Saint le Seigneur, digne l'agneau, assis sur le trône, qu'un chant dans nos cœurs célèbre à nouveau sa grâce et sa grandeur. Saint de gloire et de feu, et le Seigneur notre Dieu qui règne de toute éternité. Yeah.
ton saisie de majesté. Saisie de majesté, d'extase, de beauté, que ton nom seul peut nous donner. Jésus, 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 ton nom est source de vie, d'autorité, et insaisissable vérité. Saint de gloire et de feu, est le Seigneur notre Dieu, qui règne de toute éternité. Tout l'univers avec moi acclame au roi des rois, où tu es tout pour moi, et je veux t'adorer. Saint de gloire et de feu, est le Seigneur notre Dieu. T'adorer, je veux t'adorer.